Chers enfants dans le Seigneur, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. À la suite des décisions prises par le chef de l'État pour endiguer l'avancement du coronavirus dans notre pays, l'Église Remamus Mission se tient dans le même sens pour protéger et assurer la sécurité sanitaire et l'intégrité des membres qui la constituent. À cause de cela donc, des mesures ont aussi été prises par moi et par notre administration pour assurer votre sécurité et celle de vos enfants. Les cultes et nuits de prière seront suspendus désormais jusqu'à nouvel ordre. Les cultes se feront à la maison désormais en famille en direct de Zoé Channel. Je vous exhorte donc dimanche à partir de 9h d'être en direct de Zoé Channel et de suivre le culte. Je serai en direct avec quelques personnes. Et je prierai pour vous parce que ce sera un culte interactif. À partir de la maison, vous composerez tout simplement le numéro du standard. Posez votre problème, nous prierons ensemble, nous continuons la guerre contre la sorcellerie. Les campagnes d'évangélisation de Garoua et Makba sont suspendues en dehors de celles de Fumban, sauf si en mai, l'interdiction n'a pas été levée. Les offrandes seront offertes à notre Dieu par Orange Money, MTN Money, par Express Union ou par Western Union. Le numéro que vous aurez pour envoyer vos offrandes, ce sera pour Orange Money, le 699-96-37-14. Le 699-96-37-14. Et le numéro MTN Money pour envoyer vos offrandes et vos dîmes et vos contributions, vos engagements, ce sera le 675-87-78-20. Le 675-87-78-20. Alors il faut dire que pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous pourrez joindre les mêmes numéros pour tout transfert Western Union ou alors Express Union pour ceux qui voudraient le faire à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire camerounais. Les bienfaiteurs passeront prendre leur mouchoir ouin à Etoua-Meki le 25 mars à partir de 17h et à Douala le 24 mars à Ndogbon dès 17h. J'exhorte toute la communauté ainsi que l'ensemble de nos téléspectateurs à respecter les règles d'hygiène basiques. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau courante et du savon. Éviter des rapports physiques. Se gargariser à l'eau tiède et avec du sel dès les premiers symptômes de grippe. Se moucher à l'aide d'un mouchoir à usage unique. J'exhorte nos téléspectateurs à faire confiance aux autorités sanitaires qui travaillent d'arrache-pied pour résoudre cette crise sanitaire mondiale. J'exhorte toutes les familles chrétiennes à demeurer dans la prière pour la nation et le monde entier, afin que Dieu nous délivre par sa main toute puissante de ce fléau. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, « Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite mes voeux de santé, de préservation divine, et nous prions pour le Cameroun. Cette menace sera vaincue au nom de Jésus, et le mal que l'on a entendu ailleurs ne touchera point notre pays. Demeurons dans la confiance, dans la prière, en groupe et en famille, et le Seigneur nous fera du bien. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt au Palais de Congrès, dès que ces mesures de restriction tenues par le gouvernement pour notre bien seront levées. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.